À tous, c'est Redcov, j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, on se retrouve sur la suite de God of War. On avait enlevé la fumée du monsieur là. Voilà, des nez du monsieur. Il respirait bien fort de la fumée noire. Alors, on peut aller ici et est-ce qu'on peut aller ici? Parce que vu qu'il y a... Il y a ça, mais je ne pense pas. Donc, on va aller sauter de l'autre côté et c'est parti. Putain, le fils qui se réceptionne comme ça, c'est magnifique. Façon, on est que là. Ok, j'étais en mode Dame. Tu sais, maman disait que les géants venaient souvent dans les montagnes de Midgard avant de disparaître. De disparaître? Oui, apparemment un jour ils sont tous partis. Personne ne sait pourquoi. Peut-être sont-ils rentrés chez eux. À Jotunheim? Peut-être. Je me demande si ça pourrait être le visage d'un géant important. Eh ben, bonne question, fisson. La bouche, on a réussi. Encore le souffle noir. Allez. Allez, je me prépare, je sens qu'on va se faire choper. J'ai plus en face, ouais. Alors, on va voir si déjà il y a d'autres chemins. Et qu'est-ce que je disais? Et bon, on va faire chercher le petit coffre. L'entrée était là-bas. Tu es pressé? Non, c'est toi qui l'es d'habitude. Je veux bien explorer les environs. Hein? C'est pas mal, c'est pas mal. Les développeurs, ils ont bien réussi ce coup-là. Alors, putain, mais alors, putain. Allez. Comment je fais ça? Donc là, on peut retourner tout en bas. Bon, c'est pas ce qui m'intéresse. Bon, je sais pas. On n'a pas encore les trucs. Faudra peut-être revenir plus tard. De toute façon, c'est un mini open world, donc on peut revenir si on veut pas. On sait monter plus vite. Le souffle noir. Ok, là on est dans la bouche du mob. Ah, salut. allez, on va ouvrir ce Open the Gate. Oh yeah. Hein? C'est ton père la pute. Une musique. Que dit-elle? Alors, qu'est-ce que ça dit? La musique est sexiste. Allez hop. Alors je ne sais pas pourquoi la musique s'excite comme ça, je le sens mal. Le sol, Atreus. Ça veut rien dire. Il manque quelque chose. Il y a peut-être un autre cristal lumineux. Rien. On va essayer de pousser ça à fond. Bon alors. Ça déjà c'est le remettre tout en bas. Parce que... Ah, on est obligé d'avoir les faisceaux. Allez, c'est parti. Allez, allez, ça je m'en doutais. Allez. Voilà. Est-ce que c'est de la sève dans une grotte? Oh, alors qu'est-ce qu'on a?
père doit attendre qu'ils lui foncent dessus ou parer leur attaque. Bonne question, fisto. On fait tout péter, nous. Ne me pose pas les questions, fils. J'en ai pas la moindre idée. Allez, pap. Tu peux fermer ta gueule aussi, ça me ferait du bien. Mec, carré. Yota. T'inquiète, fiston, regarde, j'ai changé d'angle de caméra, ça veut tout dire. C'est la réponse. Liberté. Oui, c'est ça. Liberté, égalité, fraternité, c'est donc ces trois mots. D'accord. Vrai ça. Vrai ça. Oh. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh. Wow, 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 wow. Oh. Moi aussi. Le test des géants n'est pas terminé. Ah mais moi je voudrais ça en fait. C'est pas grave, c'est pas grave. Allons, bah. Yo. Il y a un cristal dans le porte-flambeau. Je l'active. C'est mieux, non? Oui. Ces passages paraissent bien petits pour des géants. Qu'est-ce qui te fait rire? Oh, tu es sérieux? Je suis toujours sérieux. J'avais oublié. Maman disait toujours que tu t'intéressais pas à l'histoire. Les géants sont une race comme les elfes et les humains. Ça veut pas dire qu'ils sont grands. Et le serpent monde alors? C'est vrai, dans son cas, géant veut aussi dire grand. Mais il y en a qu'un comme lui. Ça reste très... J'aime pas trop la zone. Petite zone horreur, c'est pas... Oh. J'aime pas trop la zone. Clairement, elle fait... Elle est assez... Je veux dire, assez flippante, mais... Ok, j'ai quoi? Arbre bus, ça me réduit la fin, mais ça me donne la récupération. On va s'équiper, parce que... Voilà. Qu'on voit un peu mieux dans cette zone parce que clairement allez ah vas-y ça... Allez. Allez. Sale pute. Hop là. Comment c'était? C'était bien. Comment c'était? C'était bien. Bien. Ok, bestiaire, hop. Ce type peut invoquer des cauchemars. Ah ok, c'est les revenants qui invoquent les cauchemars. Ah, salut. Voilà. On a un coffre. Ok. Allez. Allez.
C'est tellement simple. Bande de pute. Ah mais il y en avait un autre. Allez, boum. Voilà. Faut faire du bruit comme ça, des bruits comme ça. J'aime pas parce que ça peut se réveiller. Comment tu savais que c'était là? La magie noire, fils. Ok, un drogue à deux armes, d'accord, ok, je veux juste dire que c'est un drogue. Faut éclairer un peu toutes ces lumières. Ah non, on va traverser ce pont. Ok, il y a plusieurs chemins. Pas la magie trouvée, désolé, les trois sauts pour l'activer. C'est les trois sauts, je vois que c'est ça. Ah bah attendez, il y a marqué. Ah. Alors c'est un B, un R et un sort de M bizarre. Ah B, R, ok, on a le B, on a le R. Ok, non. Ok, on va dire ça. Bon, normalement, ça doit être bon. Voilà, c'est bon, on a trouvé la bonne solution. Ouvrons ce coffre. Allez, qu'est-ce qu'on a récupéré? Corne pour la rage de Sparte. Votre âge... Alors, j'ai pas une map, si, bien sûr. On va aller par là. Allez. Allez. Et... Reviens. Allez. Voilà, qu'est-ce qu'il me faut un cristal donc. Un cristaux. D'accord. C'est un peu chiant ça. Je sais pas si on peut revenir en arrière. Ah oui, bah oui, mais non. Je peux pas avec le cristaux, je peux pas. Je ne peux pas, il faudra que je trouve un autre cristaux. Alors ça va être un peu chiant, peut-être plus tard on pourra créer d'autres cristaux, j'en ai pas la moindre idée. Allez. On va aller par là-bas. Ah, la suite c'est pareil. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a récupéré? À la vôtre.
Ok. On va pouvoir continuer l'histoire. Oh, il y a du cadavre ici. Hein. Ouais. Ils ont pris plutôt cher. Allez, on se prépare. Dis-moi ce que tu vois. Eh bien, on dirait des hommes, pas des géants. Exact. Des voleurs en quête de trésors. Tu vois les pièges? Ah oui, heureusement pour nous, ils les ont tous déclenchés. Heureusement, ceux-là sont bien morts. Et boum! La statue! Mais là. Lila. Oui, père! Oh, c'est Durathror, un des quatre serfs de l'arbre Moon. Très bien. Il est censé garder l'entrée de Yotunheim pendant que les géants dorment. Oui, que les géants dorment. Je ne sais pas. Allez, moi je récupère ça, fiston. Récupère ça. J'ai déjà vu ce langage. Ok, nouvelle connaissance. Qu'est-ce qu'on a? T'inquiète, top de tir ne peut pas céder à tout. Ok. Nous trouverions comme nous voulons le gardien corbeau. Ah, le gardien corbeau, intéressant. Ah! Allez! Et ben voilà, il était nul à chier. Ouais, c'est un peu relou. Ouais, il nous faut. Ah bah ça sera, ça servira à ça. Fait tomber un truc. Allez, allez. Oui. Oui. Allez. Sous merde. Notre but est toujours le pic. Cherchons un accès. Voilà, on a quoi sur le bestiaire? Ok. Énergie. Allez. Acier massif, c'est plutôt pas, c'est plutôt cool. Ok, il y a que moi qui est rentré en fait. Bah on va continuer. Waouh, le plus haut pic des royaumes. Ton grand-père savait que c'était la montagne des géants? Non, sa requête s'est révélée plus compliquée qu'elle aurait pu le prévoir. J'aimerais bien en savoir un peu plus sur le passé de sa mère. C'est un nom, je crois. Ouais. Eurasir. Hein? Merci. Ezzy, que pouvait-on bien appeler Terreur? Bizarre, c'est une bougie entièrement entourée de cordes et d'une espèce de peau de bête, une sorte de lanterne. Y a pas de mèche. On n'en a pas l'utilité. Le Bifrost éclaire la voie. Non mais c'est bon, je veux pas descendre en fait. Hey, je... qui a allumé ces torches d'après toi? Les morts n'ont pas besoin de lumière. Ouvre l'œil. Ça sent les humains. Allez, on récupère ce coffre. Allez, on monte, monte, allez, grimpe. Oh, ouais. Arrête. C'est bon, c'était juste. Ouais, mais tu sais.
s'est fait rabaisser le gamin. Le pauvre, le pauvre. Allez, c'est parti, on tourne en roue. Wow. Cœur de la montagne. C'est quoi tout ça? Où on est? Dans une mine. Et si cette pince atteint le sommet, on touche au but. Ah ouais, parce qu'on est dedans en fait. Alors attends, deux secondes, quand je me gratte l'oreille. Je crois que je sais comment ça marche. La pince est sur le côté. Et si on arrive à faire bouger ça. Oh hop là. Bravo à Atreus. Non, je crois que la corde est coincée sous ce rocher. C'était très imprudent. Oui, père. Désolé, père. Boy. Allez, ouais, on va lui éclater sa gueule à ce petit fils de pute. Allez, toi, ma... C'est trop gore. Allez. Allez. Et c'est parti, éclatage de tête numéro 7790 et boum. C'est bon? Ah, utiliser l'XP, j'ai obtenu de l'XP. Oh. J'ai quoi? Non. Allez, on va acheter ça. Allez, on va tout acheter. Gueule, laisse-moi faire. Je sais pas comment les dévouer encore. Mais quoi? Tu peux les lire. D'accord. Vas-y, lis-moi ça, gamin. Il faut dégager la corde du désordre que tu as provoqué là-haut, Atreus. Peut-être qu'on peut monter là-haut par le passage qui s'est ouvert. On va voir. Donc ça fait, ouais, c'est pas la zone. Nouvelle connaissance, réseau, Yona, Yona. Et les nains, ils ont tout extrait. Cette machinerie ressemble beaucoup à celle des nains, mais la taille des pierres, c'est clairement du Yotun. En fait, je crois que les géants ont vécu ici pour protéger la montagne. Ok, de l'argent. Oui, mais c'est chiant, parce que y a des trucs qu'on peut pas tout faire, mon cher. Alors ça, le passage, c'est à cause de ce qu'on a fait. Faut explorer, mon cher. Je sais pas comment on l'enlève. C'est un peu chiant de pas savoir comment l'enlever. Tu vois quelque chose? Un chariot. Ça peut nous servir, non? Oui, non mais merci, je sais que ça peut servir, mais tu vois, pour l'instant on peut pas y accéder. Peut-être là on peut accéder. Non.
Non, 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 très bien. Bah, il ne reste plus que le chemin. Ah bah tiens. Tu savais contourner le souffle noir depuis le début. Eh, hey, va pas croire que j'aurais pu te faire passer, gros tas de viande. Hein? Je peux contourner à peu près n'importe quoi, surtout ici. À une époque, ma famille possédait cet endroit. On a revu les pièges des Yotmar et construit de quoi les éviter. Pourquoi tu crois qu'ils sont si tordus? Attention aux pièges. Merci. Allez au travail. Ok, donc pomme de hache. Ça a rien, c'est que des trucs de merde. Améliorer. Ok. Allez, on va vendre tout ce qui nous sert à plus à rien. C'est vrai que ça, on peut les vendre, ça change pas grand chose. On veut garder les enchantements et les pierres de résumé, hein, ça se garde. Allez, ça. Alors, on reste dans le coin pour causer un peu. Allez, je te cause une dernière fois. Tu te serais pas pris le bec avec un type genre mauvais. Et ta taille, insensible à la douleur, l'air ivre-mort, mais juste un peu lent. Ouais, l'étranger. Mais tu crois que ça te fait plaisir? Si j'avais voulu traiter avec les As, je me serais installé près d'un bordel, ou d'une arène de combat, ou d'un bordel de combat. Il a dit As, les dieux? Non. Bon allez, on va s'arrêter là. Je vous dis à plus pour de prochaines vidéos, et à la prochaine. Allez, bye bye et merci encore.